Fils de pute, fils de pute, fils de pute! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait, bordel de merde? Tu m'as mis dans la merde, j'ai rien compris. Ils m'ont dit, mon pote, je sais pas quoi, il nous a planté ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Je comprends plus rien, moi, à la fin. Des bikers, ils m'ont entouré à 7, 7, 8, sa mère, j'ai réussi à trouver une trappe, je me suis enfui avec une voiture de taxi. J'en peux plus, je suis dans une merde incroyable, tu m'as foutu dans la merde, t'as fait quoi? Je comprenais rien. T'es où? Envoie ta pause, on arrive. Envoie ta pause, j'arrive, c'est bon, je me suis enfui, je leur ai baisé leur mère. Bien, on est armé, on va revenir, on va leur baiser. Envoie ta pause, je te rejoins, envoie ta pause. Vas-y. Une vengeance de quoi? C'est des bikers, ils doivent être armés jusqu'aux dents. Soyez patient, la vie de ma mère que je vais les punir, surtout la meuf là. Oh là là, la meuf, je vais me la farcir celle-là. Oh là 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 là, une piñata, je vais me la faire celle-là. Oh là 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 là, mais. Elle m'a cassé les oreilles, je vous jure, je vais. Oh, j'en pouvais plus. Assis, debout. Ah, j'étais à deux doigts d'aboyer, j'en pouvais plus. Ah, je vous jure, celle-là, je vais la mettre dans mon coffre et je vais faire caca sur tous les membres de son corps. Putain. On va te fouiller. Non, monte pas dans la voiture. Attends sur le côté. Vous avez pas une pièce? Attends, si, on va t'en donner une gentille. Hey, écoute, mets-toi contre la bagnole. Ah ouais, tu veux t'attaquer au gang de Wayside? Ouais. Qu'est-ce tu racontes, toi? Nique ta mère, c'est quoi ça, Wayside? Eh, va te faire foutre, toi, Enfoy. Putain, y'a ma daronne qui m'appelle. Putain, mais il a rien sur Il se passe quoi, grosse Ramja? Si, il en a Y a ton pote qui est un planteur fou qui a planté quelqu'un chez les bikers, donc au concessionnaire. Oui, je sais, mais je sais pas pourquoi il a fait ça, il m'a mis dans la merde, j'ai réussi à m'enfuir. Je sais, bah il a essayé de nous planter aussi une fois, et bah en fait là, y a un biker qui aimerait discuter avec toi. Pourquoi? Et je pense que tu devrais venir faire le médiateur plutôt que de fuir la situation. Non, ils ont fait que de me gueuler dessus, mon mari, ils m'ont pas respecté, ils m'ont pris pour une chienne, des coups de poing américain, etc. Alors que j'avais rien à voir, j'étais avec toi dans un coin. Ok, bah je leur dis que t'as rien à voir. Vas-y, règle la situation si tu peux et dis-moi ensuite si on peut régler des autres problèmes, on a beaucoup plus urgent. Il faut que je passe aussi à l'hôpital voir s'il y a pas le corps de mon père. Donc. Vas-y. Bah tu vois, il est mort, t'aurais mieux fait de le vendre celui-là. Je suis pas sûr qu'il soit mort, je le trouve pas, il se passe des trucs de fou là. Putain, là aussi il se passe des trucs de fou, rappelle-moi quand c'est bon, t'as des nouvelles. Ok, vas-y. À plus tard. Non. Bon, putain, il se passe quoi là? On récupère une arme et après on va fumer les bikers là. Il est où ton truc que tu m'avais... Ah, c'est pour fumer les bikers. Non, je pense. On va aller chercher mon arme, y'a pas de soucis, c'est pour fumer les bikers. Elle est où ton arme? Bah venez, elle est au parking central. Vas-y, on y va. Si c'est pour fumer les bikers, allez, on y va. Venez, on va partir ça. On vous suit, la voiture rouge. Mais c'est qui ce type? Eh, c'est un trou de balle, c'est le concierge du commissariat et le concierge du gouvernement. Et il peut nous tirer des armes du coffre. Ouais. Je lui ai demandé deux guns. Je lui ai demandé deux guns et un éclaireur pour faire un coup d'état ce soir. Parce qu'en fait, lui, il est matrixé par les coups d'état. Je lui ai dit, on allait en faire un pour lui faire plaisir. Et il m'a ramené quoi? Il m'a ramené un couteau à cran et un casque t'as l'opening 1 de Fire Force, j'ai pas compris. Ok, bah j'ai une idée, j'ai un plan. Vous voulez me faire la misère au biker ou pas? Ouais, mais là on a besoin Écoute, non mais oui, mais j'ai un plan, ok? Regarde, écoute-moi bien. La fille là, elle est avec les bikers, je vais leur faire croire que je veux faire la paix. Je vais leur dire de ramener que un ou deux bikers, comme ça ils me tabassent pas. Je vais vous donner la pause et les un ou deux bikers, vous allez leur baiser leur mère mais cagoulé. Et vous allez faire comme si vous vouliez me niquer moi aussi. Vas-y, ça marche. Vas-y, vous savez quoi, quand vous avez récupéré vos armes, dites-moi et je vous donne le point de rendez-vous. Mais attends, on va la récupérer là. Il est où, Luken? Dans la voiture rouge? Ouais, dans la voiture rouge. Munition environ. Oh, Luken, mon ref, t'as récupéré? Merci, je t'en prie. Vas-y, viens avec nous. Eh, Luken, mets avec l'arme de speed pour la mission, je te la rends. Aïe! Tiens, je vais. Oh, B, enlève ton masque pour pas se faire contrôler. Ouais, je vais l'enlever. Attends, je donne juste. Eh, non, mais vous inquiétez pas. Si c'est moi qui l'ai conduit, mais pourquoi tu me réponds pas? J'ai un problème avec mon téléphone, je l'entends pas sonner. Écoute, je veux bien faire la paix et arranger le truc, mais je veux pas qu'ils viennent à 8 comme ils étaient là. On se met un lieu de rendez-vous. Enfin, toi, tu me donnes un lieu de rendez-vous, je viens tout seul et le mec, il vient seul ou à 2 maximum. Et on s'arrange, j'essaie de m'expliquer. Tout à l'heure, ils étaient 8, ils m'ont mis la misère.
Ok, d'accord. Bah, je ferai en sorte que tu fais pas une connerie, hein. Tu vas pas arriver avec tes potes clochards. Non, jamais de la vie. Mais non, pas du tout, jamais. Je te jure, je veux m'expliquer. Moi, je vais être en pont terme avec tout le monde dans cette ville. Ok, bah, viens au concessionnaire, ils sont deux. Oui, shine. T'es sûr? Bah, y'en a un qui va se barrer, il est sur une moto orange et il y a deux bikers, ouais. Westside. Ok, bah ouais, vas-y, j'arrive. Vas-y. Oh. Allô? Oh. Hey, ok, vas-y, j'arrive. Eh hey, les gars, si vous voulez, les flics ils m'arrêtent jamais. Donc si vous voulez, je conduis, les flics m'arrêtent. Non, parce que j'ai mangé une banane ce matin. Ah, autant pour moi. Eh, hey, écoute, là je vais aller au concess moto, vous allez arriver une minute plus tard, ok? Pendant que je vais m'expliquer, et vous allez me braquer aussi. Venez tous cagouler. Ils seront pas plusieurs, genre. Quoi? On n'est pas tous armés de gueule, hein. T'as qu'un gueule, non? Ouais, bah, c'est pas grave, si vous avez des couteaux, ça suffit. Eh, hey, donne-moi un couteau, je t'en ai donné deux. Attends, tiens, je te donne, et lui va. J'y vais, je vous dis quand c'est bon. Vas-y, attends. Con, quoi, pauvre con? Quoi? Y'a tous les bikers? Ouais, excuse-moi, monsieur. Ouais, bonjour, monsieur. Ouais, ça roule. Bah, ça va, et vous? Ouais, ça va, ça roule, ça roule. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis pauvre, tu sais, je viens de voler cette voiture. Ah ouais? Ouais. Tu veux pas comme ça ici? Est-ce que je voulais dire? Ouais, t'as quoi contre les bikers? Avant ça, qu'on était là, wesh. Ouais, avant. Avant? Mais il se passe quoi, putain, je comprends pas. Excuse-moi, mon gars, il se passe quoi? Il nous a dit quoi? On le rejoint une minute après. Mais il crie, il parle devant eux! Mais ils sont cons ou quoi? Oh lolo, vas-y. Vas-y, on va. Putain, mais arrêtez de parler du planche pas quoi, c'est les bikers devant vous! C'est les bikers! Tu m'entends? Oui, tu m'entends ou pas? Ouais, là, je t'entends, c'est bon. Arrêtez de crier devant eux, c'était les bikers devant vous en voiture et en moto. Ah, et là ils ont entendu tout ce que vous avez dit. Mais non, putain. Mais non, on avait les fenêtres fermées, ils ont rien entendu. Ah bah vas-y alors si t'avais les fenêtres fermées. Oh putain. Mais là il se passe quoi là? J'ai pas compris comment ils nous ont trouvés. Eh, on a rien dit devant eux, on a rien dit. J'ai entendu, ton petit il a dit ouais t'y vas et tu nous appelles une minute après. Il l'a dit ah oh, je l'ai entendu de loin sa mère. Ouais, mais il parlait de ma tante qui est souffrante, mais ce qu'il a. Mais non, vu que c'est ça que j'ai. C'est ce que. Mais non. Non, mais non, c'est vrai, on parlait des bikers, c'est vrai. Mais fais le plan quand même, t'inquiète. Vas-y. T'as une meuf. Le conseil, c'est zone safe. Bah, pourtant, je me suis mangé des coups de poing américains, des coups de poing. Au calme, on va des hacks. On va voir comment ça va se passer. Et si ça échoue, je fous à l'arbre, je vais rigoler. Oh putain. T'es au concesse? Allô? T'es au concesse? Ah, non, ils sont tous partis, ils étaient 5 ou 6 à la fin. Monde. Et du coup, t'es où? Ronan. Là, faut que je te vois, parce que du coup, ce que tu m'as dit, ça m'a donné un plan. Mais là, il y a des bikers, je suis au concesse, il y en a. Ah bon, moi, je suis parti avec eux, normalement, ils vont dans le nord, là. Bah non, là, il y en a. Wesh. Attends, j'y vais avec sa mère. Putain, c'est lui là. Ça va les gars? Je voulais. Putain, il est devant nous. Non, mais je voulais venir en paix, m'excuser. Je peux discuter avec vous ou pas? Ouais. Vas-y, Dubit va monter là. Les gars, je peux discuter avec vous ou pas? Je suis venu en paix. Oh, clochard là. Merde, ah, je suis. Oh, ouais, ça les gars, je suis venu en paix, je voulais discuter avec vous. Mais non, je suis venu en paix, je suis venu de moi-même. Bah, monte alors et tu vas discuter avec nous. Mais on va. Comment ça? Mais pourquoi? Mais je veux discuter en paix, vous allez pas recommencer. Ouais, bah, rien de faire. Rien, mais vas-y, monte. Bordel. Allez, c'est quoi? Sortez. Vas-y, braque-les, ou renverse-les. Renverse-les. Putain, je comprends rien. Eh, je vous jure. Mais on vient se braquer là. Matt, on vient se faire braquer en bas là. Vous êtes fait braquer par qui? Au concesse moto à l'instant là. Les gars, vous pouvez. Mais n'allez pas au concesse moto, putain, je vous dis 500 fois, barrage. Les gars, vous pouvez. Bah, vous êtes poursuivis, on monte à Sandy Shore et on les baise. Les gars, vous pouvez m'expliquer la situation? Sandy Shore, montez tous à Sandy Shore. Montez tous à Sandy Shore, on va les baiser.
Là, c'est tes potes qui arrivent là, dès lors qu'on est avec toi. Mais je les connais pas, je les connais pas, putain, vous comprenez pas. Arrête de crier là, t'as besoin de crier. J'en peux plus. Les gars, je vais vous expliquer. Vous voyez la blonde qui était avec moi tout à l'heure? Ouais. On est parti faire une sieste à côté parce que j'avais un problème de mal de gorge. Ouais, mais pas besoin de crier, on t'entend. Pardon, désolé. Et quand je suis revenu du problème de mal de gorge, on m'a mis plein de problèmes sur le dos, j'ai rien compris. Mais tu connaissais pas le gars qui était avec nous? Non, putain, non. J'ai un appel, je peux répondre? Tu m'as dit que t'avais pas de téléphone. Il m'a dit qu'il avait pas de téléphone. C'est qui t'appelle? T'as pas de téléphone, toi? Non, mais un appel de... J'ai un beeper, en fait, vous savez, moi j'ai 49 ans, j'ai un beeper. T'as 49 ans, mais qu'est-ce que t'as fait pour finir dans la rue? Écoute, je suis l'homme le plus vieux de cette ville. Montez tous au Yellow Jack, posez pas de questions. Putain, j'ai failli faire une connerie. J'ai failli dire que j'avais un téléphone. Mais c'était qui les mecs là? Vous avez vu leur gueule? À quoi ils ressemblaient? Non, ils étaient pas tous masqués. Montez tous au... Mais personne n'est derrière toi, monte au Yellow Jack, c'est tout. On se retrouve tous là-bas et on les baisera là-bas. Non mais les gars, juste deux secondes, qu'est-ce qu'on va faire concrètement là? Parce que on va boire un verre, on va se tirer dessus, je comprends pas. Tu voulais nous parler, tu vas nous parler. Bah je voulais régler la situation parce que moi je connais un des gars, je connais que un, mais tous les autres moi je sais pas c'est qui, je vous jure j'en connais un et apparemment c'est lui qui a un problème. D'accord, ok, bah celui-là nous on veut savoir pourquoi il plante nos gars. Mais pourquoi il a fait ça? Tiens, tu le pointes avec une arme, d'accord. Moi? Ouais, moi j'arrive. Hey. Les gars, je vous jure, pas besoin de me pointer, je vais pas bouger d'ici. Prends-lui son beeper. Regarde dans ses poches vite fait. Putain, il faut voir mon téléphone. Qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mon odeur, c'est ça? Non! Il pue tellement quoi? Non. Ouais. Vas-y, viens avec nous toi. Il l'a acheté. Moi? Ouais, lui, c'est l'autre. Avec qui? Putain, mais je sais pas, vous mangez du gravier ou quoi? Vous avez tous des voix. Regarde, c'est moi là avec la barbe. Ok. Voilà, mais bordel, vous êtes combien? On est combien? On est beaucoup. Wow. Ouais, c'est qui? Bon, je pourrais, je peux faire attendez, partie gars, de votre attendez, famille. Attendez, les gars. On n'est pas de ta famille, dégage. Quoi? Moi, ouais. T'as vu les mecs qui tu vas me suivre, s'il te plaît. D'accord. Vas-y, je te suis, mon pote. C'est qui? Je sais pas. Comment tu t'appelles? Srud, du coup? Srud. Ok, chanté, moi c'est Mad. Mads, enchanté. Vraiment, juste, t'aurais pas un peu d'argent? Ouais, tu peux. Je veux un petit billet, d'accord. Y'aura pas de problème. Merci, mon pote. Tu prends de la cam. Ouais, j'aime bien. Moi, tout ce que tu peux me donner que je peux injecter, je le prends. À la base, je bois de l'eau et du pétrole. C'est normal. D'accord. Et bah, le gars qui a planté mon gars, là. D'accord. Ouais. Mon ami. Ouais. Donne son numéro, s'il te plaît. Putain. Mais... J'ai pas... On est là, Cristal, tu nous vois pas. J'ai pas son numéro, j'ai pas de téléphone, je suis pauvre. Mais par contre, je peux... Qui t'a envoyé un message? Mais c'est un... J'ai un beeper, en fait. J'ai un beeper. Les gars, la gueule, là. Fouille-le, vas-y, fouille-le. Ok, j'ai un numéro, ne me tirez pas dessus. Oui, j'ai un numéro. Allez, tu me donnes le numéro, s'il te plaît. Pardon, désolé, j'ai menti. J'ai fait ce que tu fais, hein. Je vous jure, regarde, j'ai... Putain. C'est qui le roi des SDF, là? J'ai entendu parler du roi des SDF. Comment ça, le roi des SDF? Y a pas de roi des SDF, moi je suis pas... roi des SDF? Non, moi je suis juste un SDF, moi je... Ouais, je peux comprendre. La barrique. Viens, allez, donne-moi son numéro. Va chercher une arme. Alors c'est 34-93. Ils sont juste devant. Cristal, tu le gardes, d'accord? Attache-le. Oh non, pas elle, putain, je vais serrer, pas elle, laissez-moi pas avec elle, laissez-moi pas avec elle. Non. Vous voulez récupérer votre gars? Vous pas mandez elle. Mon gars, d'accord? Non, pas elle, pas elle, putain. Elle me prend pour sa chienne, celle-là. Allez, on te préviens, tu... À genoux. Non. À genoux, les mains sur la tête. Non, lâche-moi, putain. Écoute, ça va être simple. Fais t'attacher. Je vais récupérer le SDF, c'est ça? T'attache. Mets-toi à genoux, maintenant. À genoux. À genoux. Merde, pardon, je vous jure, je voulais me mettre à genoux. Putain. C'est très bien violent. Comment ils sont volés? Ils sont pas violents. Ils sont trop violents, je suis d'accord avec toi. Ta gueule. Oh putain, je vais j'en peux plus, je vais chier partout juste en l'entendant. T'as qu'à chier partout, j'ai l'habitude de la merde, j'ai fait 9 ans de prison. Je te jure, ferme ta gueule. Tous tes potes c'est des bons, mais toi je vais te la faire manger ma merde. Tu vas la manger ma merde, je vais te faire un hot dog avec ma merde et tu vas le manger. À genoux, je t'ai dit à genoux maintenant. Ah, shit. À genoux. 3 secondes. 3 secondes, elle a dit 3 secondes. Ah. C'est bon.
putain, j'en peux plus. Mais de toute façon, lui, il a rien à voir dans l'histoire. J'ai rien à voir, c'est ça le pire, je vous jure, j'ai réglé mes problèmes de gorge sur le côté, j'en peux plus. Non, ouais, tranquille, le codo, tranquille. Est-ce que tu peux le garder, s'il te plaît, autrement je vais l'achever. Je vais l'envoyer à l'hôpital. Christa, on s'occupe bien vite, t'inquiète. Mais putain, mais toi, tu vas m'achever, toi. Les gonzesses comme toi, j'en ai croisé plus de 50 dans ma vie. Ouais, c'est une tarée, fais gaffe. C'est une tarée, cette meuf, vous êtes des bons, mais elle, je sais pas ce qu'elle a, elle est surexcitée, elle en manque de libido ou quoi, je vais la remplir. Bah ouais, sort de prison, fais gaffe. Ah merde. Non, mais juste reste tranquille et tout se passera bien, tu vois. Attends, mais y'a tes collègues avec des armes à feu qui sont en train de nous pointer, c'est des fous. Mais je connais aucun de ces mecs. Moi, le seul mec que vous m'avez parlé que je connais, c'est le mec qui vous a mis un coup de couteau, c'est vrai, lui, je le connais. Ouais, bah ouais, j'ai vu ça. Mais c'est qui le mec à droite, là, Sean Paul? C'est qui Sean Paul? Là, lui, là. C'est qui, lui? Ah, moi? Ah, c'est toi qui... Bah, mais toi, tu fais partie des vestes en jean aussi? Bah non, moi, je vends des motos, man. Mais non! J'ai pris un coup de couteau par ton collègue. Ah, c'est toi qui as pris le coup de couteau? Bah ouais. Oh putain! Je te préviens, il y a un de mes frères qui est blessé, je t'envoie à l'hôpital. Un de mes frères est blessé, je t'envoie à l'hôpital. T'entends bien? Écoute-moi bien, j'ai rien fait, putain. Tu veux pas me lâcher? Lâche ma crotte! On laisse parler. Je vous jure, ça fait. C'est toi! Putain, ça fait 20 ans, je me chie dessus, j'ai jamais été... Putain, même, t'es plus désagréable que ma merde, j'en peux plus, j'en suis... D'abord, je suis pas ta mère, je suis pas ta sœur. Ma mère, pas ma mère, mais bien sûr que t'es pas ma mère, c'est pas t'es une pute. T'es pas mon frère non plus, t'es pas ma pute non plus, t'es rien. Ferme-la. Ah ok. Putain, un de mes frères est blessé, je te jure, je te fais la tête au carré. Tu te fous de ma gueule? Non. Désolé. Ça tire. Ça tire, hein. Faut les... Putain ça... Vos hommes, ils sont blessés, ils sont arrête, à terre. Arrête, bouge pas ou je te flingue. Un de mes frères juste est blessé. Du sang de biker ici. Putain. J'en peux plus, j'étais en ville, je m'en disais au calme. Des ferme-la. Petits... Oh putain. Tu t'appelles comment? Je te jure, un seul... Vas-y, ramenez-le par là-bas. Voilà, c'est avance, bon. Avance, doucement. C'est bon. Eh, tout à l'heure, je t'ai mise à l'envers, grognasse. Je pentais dans le taxi, je t'ai baisé. Ouais, c'est sûr que ma mère... votre SDF, d'accord. Mais je vais te le ramener. Je te jure que je vais te la mettre au carré. Je vais te ramener. Ils t'ont planté ou pas? Il est tombé dans les pommes, il est passé par ses plantés. Je vais te le ramener, d'accord. Oh, putain. Bah ouais. Non, s'il vous plaît, les gars. Regarde, il est là-bas, Arrête-toi. Il y a aucun mal qui lui a été fait maintenant. Regarde, si tu veux récupérer ton collègue, tu me ramènes mon collègue avec son cuir. Ok? Ça sert à rien de nous pointer, on te pointe écoute, pas. Allez, dites-leur que j'ai rien à voir avec vous, putain. Et bouge tu pas. Tu veux faire quoi? Alors là, ça va pas être possible, par contre, on parle pas du cuir, je suis désolé on de vous dire ça. On parle pas du cuir, tu parles de ce que tu ça veux. Ça va pas être cuir. Possible, les gars. Donc, soit vous nous le rendez, on vous le rend et vous cassez, et on oublie cette histoire, soit vous... On oublie cette histoire, mais vous ne prenez pas son cuir. Je te jure, je vais te la mettre. Ouais, c'est ça. Quoi? Voilà, Johnny. Crasse-le, Johnny. Calme. Regardez, c'est quoi? C'est quoi le e-sec, les gars? Dites-moi. Le e-side. C'est quoi le concept? C'est toi, avec ton banana vert? i7. D'accord, ok. C'est un processeur. Alors, arrête de viser. Ferme ta gueule. Ok. Vous ne prendrez pas de cuir, d'accord? On ne prend pas le cuir d'un biker. T'es pas en position de parler ici. Vous récupérez votre gars. Chez toi ici. Ça va, le SDF, te chie pas dessus? Non, je me sens pas bien, j'ai chié sur ses bottes, là. Je m'en bats les couilles, quoi? Mais, bien. Écoute, toi, ton string en cuir, je vais te le retirer à un moment donné, tu vois... Baisse ton arme. Tu vas voir, je vais te niquer ta mère. Tu parles à qui, toi? Tu me parles à moi? Ouais, baisse ton arme, je vais lui trancher la gorge, ça va te faire trop. Regarde-moi bien, baisse ton arme, j'ai le couteau sous sa gorge, si tu baisses pas ton arme, eh ben, ça pourrait aller mal. Moi, je suis en train de stresser. Ouais, bah stresse pas trop parce que tu vas prendre baisse une balle dans la tête. Baisse ton arme. Les gars, on peut pas faire un échange en toute amitié. Bon, le vieux nous doit de l'argent là-bas. On veut juste récupérer le SDF qui nous doit des sous, on se casse. Ouais, il nous doit 1,5 million. On récupère le clochard et on se boire. Oh putain, non, me lâchez. Tu leur dois combien? Oh putain, c'est les mecs à qui je dois. C'est les mecs à qui je dois des sous, s'il vous plaît, me lâchez pas à eux. Tu préfères rester avec moi? Ouais, non, pas avec toi, mais tes potes, ils sont agréables. Ferme ta gueule! Ils se foutent de notre gueule ou quoi? Ils se foutent de notre gueule, les gars, ici on a. Le mec en Marseille blanc, il était avec lui quand il est nouveau au début.
Non, 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 s'il vous plaît, me donnez pas... Attends, mais man, quand t'es venu au concert au début, t'étais un mec, t'étais avec un autre mec. Non, j'étais tout seul. Non, non, je crois pas. Je te jure que j'étais tout seul. Regarde les caméras de surveillance, j'étais tout seul, Man, j'étais là, man. Mais frère, j'étais tout seul, si tu veux, regarde. Regarde mon téléphone, j'en connais aucun. Oui, j'ai... Tais-toi, s'il te plaît. D'accord, t'es parti par avec une meuf après, non? La meuf, oui, je la connais, j'étais avec elle. Ok. Tu préfères rester avec nous que d'aller avec eux? Tiens, oui, c'est bizarre. Oui, je leur dois de l'argent. Écoute, c'est clairement des mythos. Le mec voilà, avec le Marcel Blanc, il m'a dit que t'étais leur pote. Et là, il essaie de nous la mettre à l'envers. Quoi? Mais c'est qui le mec avec le Marcel Blanc? Ferme ta gueule. Mais tu me parles, je n'aurais pas dû me la faire. Et j'arrête pas de lui dire de la fermer. Je vais le baïonner. Je te baïonne. De toute façon, on voit comment il est, comment il a sa gueule. T'as le baillon maintenant. T'as planté ou pas là? Tu peux rien dire. Putain, mais comment va? Mais je comprends pas. Le baillon ou pas? Ah, y a un mec qui m'a planté, ouais. Mais c'est pas ça. C'est cocktail mocha, d'accord? On a fait peur aux habitants. Bon. Il s'appelle comment le mec avec la barbe? Nickel. Ramenez-leur leur gars, s'il vous plaît. Allez, casse-toi, C'est pas Zlatan! Casse-toi. Non, vas-y. Bouge. Écoute, le SDF, il me doit des sous. Oh, le SDF, casse-toi. Allez, casse-toi. Ouais, vas-y, bouge. Mm-hmm. Ouais, ok. Vous voulez Clodo là? Je t'envoie une poule juste après, Abby, ok? On parle Clodo. D'un plan. C'est bon, ouais, ouais. On vient tous, on viendra tous, et t'inquiète, y'a pas de. Oh, nickel. Wow. La bécane. Putain, des embrouilles avec les bikers, moi je veux pas d'embrouilles, bordel. T'es où? Ça sera. Ouais, je te donne une pause, tu veux me chercher? Ok. Vas-y, je t'envoie la pause, vas-y. Il t'avait laissé partir, pourquoi t'as fait ça? Parce que je les baise, wesh. Ils m'ont pris pour leur chienne, moi je leur baise leur moto de merde. Ils vouent un culte à leur moto, moi je prends leur moto et je les encule leur moto. De toute façon, s'ils me retrouvent, ils vont me niquer ma race, c'est tout, fin de l'histoire. Vous croyez que je vais riposter? Je suis un SDF, frère, vous croyez que je vais me battre à armes égales? Moi je fais des trucs de fourbe. Vous croyez que je vais sortir des M4 ou... Il est là, dans le coffre. Moi dans le coffre. Putain... Attends, il y a une place à l'arrière, non? Non, le coffre. Tu veux que je te porte, ça sera. C'est qui le mec devant là? Je peux pas. C'est qui les deux mecs devant? Inside, va dans le coffre. Putain, j'ai une sciatique, enfoiré. Ouais, mais c'est par ordre d'ancienneté dans le gang. Bah ouais, moi je peux pas aller dans le coffre, bordel. T'as vu mon corps? Je suis rempli de caca. Ah ouais, c'est vrai. Ça, il s'est passé quoi? Explique-nous, bordel. Mais. Je suis venu, ils m'ont pris direct. Tout ça, c'est parce que t'as planté quelqu'un, mais pourquoi tu l'as planté? Je sais, mais écoute, l'histoire est en marche. Quelque chose de très grand va t'arriver. J'ai parlé à leur chef, les Mads. Je leur ai dit que celui qui les avait plantés en Marseille, c'était pas moi. Enfin, ils ont pas de doute sur moi, ils savent pas que c'est qui. Je leur ai dit que c'était Vertugo qui avait fait ça, ok? Quoi? Et je leur ai dit, Vertugo, j'ai un litige moi aussi avec lui. On peut s'allier pour baiser les vagos, tout simplement. Il était grave chaud. Il va nous donner rendez-vous. Les gars, arrêtez quand vous organisez des trucs comme ça de dire ça au nom des SDF, faut pas le dire. Non, le mot SDF est jamais sorti. Mais pourquoi il m'a demandé, je sais pas quoi, les SDF, je sais pas quoi, il m'a dit ça, le mec. Non, c'est faux, on a jamais parlé des SDF. Attends, Vertugo il m'appelle, attends. C'est le East Side, mon pote. Vertugo? Ta gueule, toi, ton East Side. Vertugo, tu vois l'argent que je te devais? Il s'est passé une dinguerie, il y a un biker qui m'a braqué, le chef des bikers, il s'appelle Matt. Il m'a braqué, et quand je lui ai dit, c'est quoi tes relations avec lui? Ok, parce que quand je lui ai dit que l'argent était pour toi, et en gros il m'a dit petite salope, je te rendrai jamais les sous. Très bien, pas très bien finalement. On les pisse à l'arrêt, on leur pisse dans le crâne, on les baise, bref. Préfet, j'ai mis toi, de les fesses. Et regarde, pour te prouver que ce que je dis est vrai, j'ai rendez-vous avec eux là maintenant. Viens en tant que SDF, tu vas juste faire une petite tenue SDF, tu viens avec nous.
et tu verras comment il va parler des bagos pour les fumer. Une demi-heure, 15 minutes, c'est bon. Bah, j'ai dépêché moi au parking. Oui, ma grand-mère la pute. Mais tu, à tout à l'heure, là, tout beau. J'ai une pute, vraiment. Ouh, ok, les refs, écoutez. Mais pourquoi, ouais, tu veux, pourquoi tu veux qu'ils s'embrouillent? C'est quoi l'intérêt? Écoute, moi, je dois de l'argent vers Togo. Ouais. J'ai planté le mec des bikers. Je vais faire en sorte que les deux s'entretuent. Comme ça, je dois ni d'argent à Vertugo. Et un des deux gangs va disparaître, tout simplement. Il y aura des blessés. Mais il y aura jamais de gang qui va disparaître, jamais de la vie. Ça va juste créer des embrouilles, mais ça profitera à qui? Pour nous, c'est ça change rien. C'est parfait, parce que nous, on pourra sisser dans l'eau, parce qu'on aura, on aura aucun litige avec les gens. Et justement, on aura des bonnes relations et avec les bikers et avec les bagos. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais là, en fait, t'es juste en train de rattraper l'argent que tu dois aux bagos, c'est tout. Fils de pute. Oui, c'est surtout ça, fils de pute. Ah, c'est un détail. Vraiment, c'est écrit en astérix tout en bas, c'est rien. Mais pour vous dire qu'en gros, là, le plan, c'est que Vertugo va venir avec nous en SDF. Il va aller se faire une petite tenue de crade. On va aller au rendez-vous avec les bikers. Et les bikers, on va faire en sorte qu'ils parlent grave mal des bagos, qu'ils veuillent les fumer. Et ça va être... comme ça, Vertugo, il aura la preuve formelle qu'il faut fumer les bikers, ça va. Mais tu sais, faut faire quoi avant? Mais ils te donnent quoi en échange? Comment ça, ils me donnent quoi en échange? Ils te donnent quoi en échange, Vertugo, pour tout ça, là? T'inquiète, ça va être un très bon pour nous pour la suite, t'inquiète pas. Merci. Sors-nous des trucs, le concierge. Ouais, sors-nous fusée éclairante, on a besoin de faire de la fumée. C'est qui ce concierge qui donne tout? Vas-y, non, ouais, gros, vas-y. Mais c'est qui ce concierge qui donne tout? Écoute, frère, c'est le concierge. C'est un petit fils de... Mais comment ça? On va le gratter, frère, quand il a plus rien, on le tèche. Non, mais il est généreux, vous pouvez pas le tèche comme ça. Écoutez, dans 15 minutes, les refs, il faut qu'on soit préparé parce que le rendez-vous, il se peut qu'il se passe mal. Mais ouais, si... moi j'ai une idée. Ouais. Avant d'aller voir les bikers, viens s'habiller en jaune et on fait un coup de crasse à un biker. On le tabasse et comme ça, au rendez-vous, il aura vraiment la haine des vagos. Il faut qu'on fasse un truc comme ça. Le temps que Vertugo se prépare. Un coup de crasse au nom de qui minutes. Au nom des vagos, parce que. Au nom des vagos. En fait, je vous explique. Là, Vertugo va venir au rendez-vous. Au rendez-vous, on va parler de ce qu'a fait Vertugo alors qu'il ne l'a pas fait. Il va dire, ouais. Vertugo il a planté un de mes gars, faut qu'on l'encule. Et Vertugo après le rendez-vous, tout ce qu'il va dire c'est ouais, c'est quoi cette histoire de j'ai planté un gars, qu'est-ce qui se passe? Et même, mais comment vous allez vous faire passer pour des vagos? Matt, il se peut qu'ils disent ouais Billy, Boulbaba c'est toi qui m'a dit ça justement. Et ça peut me mettre dans la merde. Il faut qu'on fasse monter la sauce, qu'on fasse monter la haine contre les vagos. Ouais c'est ça, on s'habille en jaune. Et quand ils baisent, on fait sur la Santa Maria, Santa Maria, on les encule, voilà, ça. Voilà, comme ça, pendant le rendez-vous, ils vont pas parler du coup de classe, ils vont juste parler de l'altercation. Et tout va bien se passer. Aïe! Aïe. Vas-y. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de se déguiser très en jaune, idée, hein. Vous êtes sûr qu'on a le droit de se déguiser en jaune? La dernière fois, j'ai voulu faire ça, ça m'a dit non. Les gars, je sais pas si on peut se mettre en jaune, je vous dis la vérité. Ouais, c'est pas grave, les gars, on peut contourner un bizarre. Peu, vraiment, juste. Bizarre. Ouais, juste des habits jaunes qui ont rien à voir, les refs, vraiment. Des vieux trucs, hein. Les gars, c'est bizarre. Ouais, attends, c'est bizarre. Juste le bandana. Ouais, juste le bandana. On a pas le droit de faire des attaques sous notre drapeau. Wesh. Ma calvitie, elle a reculé, non? Eh, hey, je suis fou, ma calvitie, elle a reculé, là. Attends, mais... Wesh. Attends, mais y'a un souci là, j'ai perdu trop de cheveux. Qu'est-ce qui... Putain, c'est le stress, fils de pute, c'est ta faute. T'as stressé avant. C'est quoi ça? Oh, hey, après, je vais te passer des vitamines B12 pour les cheveux, ça va te les faire repousser. Oh putain, ça marche bien ce truc là. C'est rempli de zinc, ça va te faire pousser tes cheveux. De zinc? Ouais. Oui, de zinc, de refrais aussi, mais c'est ta merde. C'est pas ton thème. Qu'est-ce qu'il raconte la vie? Mais putain. Comment elle a fait pour augmenter ta calvitie? Mais gros, voilà, je sais pas, j'ai stressé, j'ai tout perdu. Putain, la vie de ma mère. Je... Putain, mais c'est quoi ce truc de fou là? Oh, le stadium. Oh, le stade de foot, il a son crâne. Oh, c'est trop, c'est Bernabéu là sur ma tête. Oh putain. Lucien, je t'aime bien, mais parfois t'es con ça. Non, ça on prend bon. Non, mais lui et son frère, ils sont trop cons les deux là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah non, mais j'ai jamais vu des mecs aussi cons. Là, un poids chiche dans le cerveau. Bordel, ce qui devant là. Je suis parano maintenant à cause de ma calvitie. Pourquoi ça calvitie? Oh non, y'a Elvis Presley, j'en peux plus, pas lui! Poussez-vous, poussez-vous. Qu'est-ce que raconte lui? Quoi? Qu'est-ce que raconte lui? Bon, vas-y, venons, on se casse. On va voir qui du coup là? Venez, on va faire ce qu'on a à faire.
On va où là? On va dans leur truc là. Ouais, mets une pause et Lucan suis-nous. Franchement, c'est ça. Vas-y, on te suit. Roule doucement, ta voiture à tartine. Ah, tu comptes demander quoi, Vertutu? Écoute, je vais parler d'un plan sous là. Ah, je vais parler de du truc par rapport à l'association. C'est sûr, il serait intéressé. À la association? Ouais. Vas-y, de toute façon, je pense qu'il peut nous aider à blanchir pour. Il y a un vrai truc à mais faire. Mais faut que j'aille voir le gouvernement avant et. Ok. Putain. Tu m'as l'air pisté par la banane. Mais oui, wesh. Il s'appelle comment ton frère Luken là devant le débile là? Et il s'appelle Calvin. Calvin. Ta mère. vous êtes frère depuis quand? Depuis la naissance, mon pote. Ah oui, merde, tu con. Putain. Ah oh, putain. Non, mais tu vas où toi? Mais c'est là. Mais non. Ah, on va d'abord. Mais on va pas voir les vagos d'abord. On va voir les bikers. Ah bah vas-y, viens, on va aller voir. Viens, on va aller voir. On va voir les bikers, on fout le hala, on se taille et après on revient voir la les hala, les... La hala, c'est quoi ça la hala? Oui, bro, la hala aussi. Oui. Les gars, vous avez quelques phrases en espagnol? Ouais, Lucas, il connaît pas mal. Vas-y, Lucas. Attends. Rolé puta. Ah bah ça va. Ok, ça va alors, c'est bon. Attends, c'est quoi la farfouille? Calme alors. Il a dit des putas. Quoi de neuf rouillas, il a dit quand même. Hein. Frère, je connais, tu peux mettre la poya, c'est-à-dire sous ma bite. Et c'est tout après. Non, c'est churro sous ma bite. Mais non, c'est ça la fête foraine. Bah ouais, si tu veux qu'on ah oui, c'est vrai. C'est churro. Ah ouais, c'est vrai. Calvin, mets ton casque. Wow, mais putain, ouais. Mais jamais vu un conducteur pareil. Il a quoi là? Oh, il on dirait Daft Punk. Oh, chantez une musique des Daft Punk là pour voir. Ça, je connais pas. Moi, je connais pas. Other butter, faster, stronger. Sainte, tu restes ici. Ah, ok, vas-y, si c'est les Daft Punk ça, vas-y. C'est les Draft. C'est Draft Punk. C'est la Draft. Attends, monsieur, on va avec Sud, on va se faire cramer, wesh. Non, vous. Mais c'est pas là, hein. Oh, ça, mets ton casque, Zubi. Je peux pas, j'ai du caca sur la tête. Bon, on y va. Ouais. Non, attends, non, mais montre-le pas, si on va rendez-vous avec lui, ils vont savoir que c'est nous. Tu sais, on va les enculer avec lui, là. Ah, ouais, putain. Attends. Tu vas faire quoi, Fred? Non, j'ai une idée. Dites-leur que vous me le ramenez parce que j'ai volé la moto. Ok, ah, vas-y. Non. Nique sa mère, c'est pas grave. Non, justement, là on y va. Nous, là, on les baise en jaune. Et toi, tu nous attends ici après mon taille. Attendez, déjà, mais non, on change de voiture. Ouais, prends la sultan derrière, c'est ouvert. Écoutez, bah, vous savez quoi? Attendez, j'ai une meilleure idée. J'ai une idée. Putain, t'as écouté. C'est le pire plan. Les gars, je reste dans la voiture et je viens vous chercher. Bah, ouais, c'est ça que je t'ai dit. Je viens vous chercher devant, je passe devant et je viens vous chercher. Venez, on descend ici, nous. Et ça, je comprends pas pourquoi faire ça en fait. Vous êtes sûr qu'ils vont nous prendre pour des vagos là? Il y a juste un petit trait jaune. Hein. Ouais, hijo puta. Hijo de puta. Ok. Sur la. Je peux pas le laisser dans la merde. Allez-y vite! Y'a personne. Quel échec, y'a personne. Les gars, je reviens, j'ai un rendez-vous avec la banque. Ok. Vas-y. Quand vous allez voir les jaunes, dites-moi je reviens, j'ai un rendez-vous avec la banque, ok? Ok. Ça marche, vas-y. Ça marche. Là c'est des choses sérieuses là. Là c'est des choses sérieuses là. Ça, ce mec-là, c'est un mec qui peut hisser le groupe des SDF à un niveau jamais atteint. Mais les gars, il y a un problème, ma calvitie, elle a augmenté, on est d'accord. Je vais devenir fou. Mais comment c'est possible, ma calvitie, elle a augmenté? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf?
Mais c'est incroyable, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est du génie là. En vrai, je vous explique. J'ai un plan de fou furieux pour la meuf des 2 millions de dollars. Je voulais que le gouvernement l'aide, je la mets dans le plat avec le gouvernement, je fais croire qu'on fait un piège à Diego avec le gouvernement. Donc il ramène 3-4 hommes, moi je préviens Diego que la meuf va venir avec des agents du gouvernement, et Diego il se charge de mettre 10 hommes ou 15 hommes autour, en gros de piéger les mecs du gouv. Mais la meuf elle a pas l'air très ouverte à... Elle a pas l'air très ouverte à faire des choses avec le gouv, donc je pense que ce plan est mort, c'est pour ça que je vous le dis. Ce plan ne se fera jamais. Mais le gouv va ramener les keufs. Non, le gouv, ils ont le FBI, ils bossent avec le FBI sur cette enquête. Et en plus, le gouvernement, ils aiment pas trop les keufs. Faut pas lier le gouvernement les keufs, c'est pas forcément... Tu vas la trahir? Non, pas elle. Mais en fait, je veux juste avoir la confiance de Diego. Qu'est-ce que c'est que ce lieu, wesh? Oh, bordel. Putain, il se passe quoi ici? Bonjour, monsieur. Okay. Oh là là, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je sais pas, on m'a dit... on m'a dit de venir ici, on pourrait me donner un peu de sous. Hein? Ouais. T'es au courant de ça, toi? De quoi? Je parle à mon collègue, là. Bah, je sais pas, c'est un monsieur, là. Attends, je regarde mes messages. Plein de la plata, plein de la plata. Un monsieur qui s'appelle Diego. Ok, ok, j'étais pas au courant. Un monsieur qui s'appelle Diego, il va te venir là, toi. Vous allez bien, vous avez pas un peu de sous? On a dit que t'as rigolé à vouloir te donner de la plata, nous. Donne-moi tes sous, s'il te plaît, monsieur. Je vais pas bien, je suis pas très bien. Tiens, je vais te donner la plata. Tiens, je vais te donner la plata. Y'a personne à la radio ici, là, ou quoi, là? On dépend des roses. Oh là là. Oh, t'as un beau collier, monsieur. T'aurais pas un peu d'argent? Non. C'est quoi ton nom d'aimé? Moi, c'est la plata. Sredharm. Et barre-toi de là. Non, tais-toi. C'est quoi ton nom? Sredharm. Pourquoi t'es venu ici, dis-moi? Un monsieur qui s'appelle Diego, il m'a dit de venir. Ok, suis-moi. Ok, merci pour l'argent, hein. Tête d'œuf. Patron, il y a quelqu'un qui est venu pour vous. Un SDF. Vous allez bien? Vous avez du mal à marcher un petit peu. Ouais, je suis pas très bien là, désolé. Pardon, je suis un peu lent. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Merci monsieur, vous êtes bien aimable. C'est normal, seigneur. Qu'est-ce qu'il faut ici? Bienvenido. Bonjour. Je te préviens tout de suite, tu craches ou tu vomis, je te mets une balle dans la tête. Hein. Calme-toi. Calme. Malade. Calme. Ça va aller. C'est pas ça. Non, tiens. Ok. Dis-moi, tu avais des noms à me donner, je suppose. Effectivement. Alors attends, j'ai noté ça sur. Comment ils appellent ça déjà? Le bigot. Attends. Je vais te dire ça tout de suite. Alors, il y a un agent qui travaille avec le président qui s'appelle Jay. Et. Deux gardes. Ça matricule, c'est quoi? J'ai non, pas spécialement c'est pas matricule. C'est pas des matricules, c'est des noms. C'est des gardes. Un garde du corps qui s'appelle Kader Labesse. Kader Labesse. Dieu. Et un autre garde du corps qui s'appelle Alves. Dio. Bah voilà. J'ai demandé. Oui. À des gangsters. José la Maria, même Abrej. Méthode que toi. Je leur ai demandé exactement la même chose et tu l'as fait en un jour. Oh bah j'aurais même pu te les donner hier, tu sais. Mais j'ai cru comprendre que t'étais en voyage. Si, j'étais en voyage d'affaires. Ok. Dio. Bien. Viens avec moi. Oh, pas de soucis. Merci. Merci monsieur. Dis-moi, t'aurais pas un peu de sous toi? Il va t'en donner assez. Ah bon? Allez, marche vite parfois. Je suis pas bien là, attends deux secondes. Me presse pas, s'il te plaît, fiston. Pas ton fiston. Pardon. Putain, c'est beau ici. Les gens n'ont pas reconnu ton talent. Mais moi, je le vois. Tu es un diamant brut. Mais il faut encore juste faire en sorte de bien frotter les côtés pour que tu sois un joyau. Que tu brilles de la bonne manière. Tu trouves? Si, je sens le potentiel qu'il peut avoir en toi. Tu as peut-être pas forcément l'apparence, mais tu as le fond. Et c'est ce qui m'intéresse chez les hommes. La forme, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai ça. On me dit souvent que j'ai un grand cœur. Faut modérer avec le cœur. Faut faire attention. Ah bon? Si, parce qu'il y aura un autre Pendero qui va essayer de te l'arracher. Moi, j'ai pas de... Scotch, ami. Oui.
Désolé, monsieur. Tu vas être le plus grand, le héros de cette ville. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, on m'avait jamais dit ça, vous savez, je suis prêt à tout donner, moi. Je prêt à... J'ai rien à perdre, je suis prêt à tout donner pour marquer l'histoire et être rempli de fric. Cette ville m'a jamais rien donné en retour, j'ai tout fait pour cette ville. C'est un début. $10,000. Oh, merci énormément, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Et si tu réussis à faire ce que tu vas faire après, tu auras 10 fois plus que la somme que je viens de te donner. Tendido. Oui. 10 fois plus. Imagine avec plus de $100,000 ce que tu peux faire. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer le cours de tout ce que tu vas toucher par la suite. Reste attentif. Tu restes par ici avec un de mes agents. Je vais te dire ce que tu devras faire. Si bien sûr tu es d'accord. Bien sûr, je suis prêt à tout, je vous l'ai dit. Vraiment. Perfecto. Bien. Occupez-vous de lui, s'il a besoin de boire ou manger. On va attendre les autres quand. Vas-y, colle. M, amène-le au fond là-bas. Au foutu point. Donne-lui à boire et à manger. Oh, putain, bien. Merci. Oh, mais les gars, qu'est-ce que vous êtes gentils comme ça avec moi, d'un coup? Bien, bien. Ok, je vous suis. Est-ce que tu veux en profiter pour faire une douche aussi ou pas? Tu veux que je te touche? Pour faire une douche, Bender. Non, moi je suis pas de ce bord-là, frérot. Désolé. Même si t'as un bon boule. T'as dit quoi? Non, j'ai dit je perds la boule. J'ai bien l'impression. Arrête de tousser, pour favor. Désolé, je suis pas bien, tu sais. Arrête de me suivre déjà quand je marche tout droit. Mais c'est toi du manu de te suivre, tu je comprends tout rien. Droit, tu mais je marche tout droit. Tout droit. Ok, mais je vais être droit. Tu t'appelles comment? Ouais, je m'appelle Matteo, pourquoi? Matteo? Si. Putain, tu viens d'Europe ou quoi? Non, pourquoi? C'est européen un peu ça, Matteo, non? C'est cubain que je te raconte. Matteo comment? Matteo Muñez. Muñez, ah ouais, ça c'est bien d'où ça? C'est du Mexique? Non. Tu penses qu'il n'y a qu'un seul pays d'Amérique latine, c'est le Mexique? La Bandejo. Je viens de Cuba. Tu viens de Cuba? Si. Eh ben... Et tu... Y a de la femme chez vous? Ou ça va? Y a des belles femmes? Bien sûr qu'il y a des belles femmes. T'es marié toi? Moi? Ouais. Je suis pas marié. Si, tu as besoin de quelque chose? Moi j'ai faim, j'ai soif et j'aimerais avoir de l'argent et j'ai froid aussi. Et je me sens pas bien et j'ai besoin de prendre l'air un peu. Et je sais pas, j'ai mon cœur qui s'emballe et je sais pas, j'ai l'impression que j'ai perdu des cheveux, mon crâne il est froid là. Et ouais, j'ai envie qu'on me raconte des choses, je me sens seul. Et je sais pas, là, l'eau elle me donne un peu envie de vomir, je sais pas, je me sens pas bien en fait là. Attends, je vais essayer de remédier à tous tes problèmes petit à petit. Ok, t'as des problèmes aux yeux aussi, parce que moi aussi, donne-moi tes lunettes. Non. Ok. Ça, c'est pour ta tête. Ok, merci. C'est pour ta faim. Putain, mais tu me donnes tout, c'est noir, arrête. Ça, c'est pour tes lunettes. Putain, des lunettes, la classe. Est-ce que tu trouves non, que... Ça, tu me les redonnes, ça, par contre. Quoi? C'est tu quoi? Tu vas pas te piquer dans les poches des gens? Ah, c'est des choses et tu me voles dans mes poches. Mais je t'ai rien pris, mais qu'est-ce que tu... Mais putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas bien, tu es un kleptomane, en plus tu le sais même pas. Mais la crypto-monnaie, t'investis? La kleptomane, c'est Bendero, le bitcoin, pas... le bitcoin. J'ai entendu parler de ces trucs, c'est le futur, ça. Redonne-moi mes lunettes. Ok, pardon. Les NMA.